Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment utiliser une disjonction pour la résolution d'un but. Alors le contexte, donc c'est le suivant. Donc on a notre troupeau de vaches, prédicat unaire vache pour définir qui sont les vaches, on en a trois, un autre prédicat unaire pour les taureaux, et enfin un prédicat binaire parent pour dire que Ada est la mère de Tara, Gunnar le père de Tara, etc. etc. Alors, on va charger notre programme. Voilà. Donc, ce programme, je vais l'ouvrir. Voilà. Hop, hop. On l'a aussi ici. Alors, donc notre programme. Donc, nous, par exemple, on va se poser la question de qui sont les bovins. Alors, un bovin, ça peut être une vache. Donc là, on a toutes les réponses. Ou un bovin, ça peut être un taureau. Voilà, donc on a toutes les réponses. Et si on veut avoir la réponse donc en un seul but, on va écrire ça comme ça. On va écrire vache et on va mettre un point virgule. Donc c'est ça qui symbolise la disjonction de taureau. Donc là, on fait un seul but en disant soit c'est une vache, soit c'est un taureau. Et donc là, dans le même but, on a donc les 6 réponses possibles. Alors on peut regarder un autre petit exemple, hein, par exemple en se disant qui sont les bovins qui appartiennent à une famille? Alors pour appartenir à une famille, bon, c'est un peu réducteur, mais on va dire qu'il faut être soit un parent, soit un enfant. Donc un parent, on va écrire comme ça, soit on est un parent, donc un bovin, qui est. Donc voilà, on met une variable anonyme, hein, qui est le. Voilà, on est parent de quelqu'un. Ou alors, on est enfant de quelqu'un. Donc le quelqu'un, variable anonyme. Et on met bovin. Et là, on y va. Donc voilà les réponses possibles. Alors on constate qu'il y a des réponses en double. Hein, ça vient du fait que, bah voilà, on est, comme on est l'enfant de deux parents, on va trouver deux fois, la solution. Alors, pour résumer, donc un but, il peut être composé de plusieurs sous-buts. Ceux-ci peuvent être séparés par des points-virgules. Donc, quand on utilise un point-virgule, on dit que c'est une disjonction, donc c'est-à-dire un ou logique. Donc, dans un même but, la valeur associée à une variable, elle va être différente selon l'alternative suivie dans la résolution de ce but. Sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.